Allez, mesdames et messieurs, c'est le représentant breton quand même, hein. Un peu de bruit, s'il vous plaît, pour Pierrot Feylong. La Bretagne représentée ici, headbutt dans le Rikukaku d'entrée de jeu, avec un bon bas moyen point, et tentative de cross-up qui ne passe pas, le cross-down très bien arrêté, mais Dragon Pi qui s'est séché par bas moyen d'Ashlo, avec un headbutt de Kalash Shop, il n'a pas déchopé, les mix-up sur Boxer qui sont bons, avec une nouvelle shop, Chicken Wing, oh, elle fait whiff cross-up pour passer avec nouveau bas gros point dans headbutt, pour punir encore un, la super, wow! C'est fait! Il est en forme, Pigeon, il est en forme! Très en forme dans ce match, top 3 déjà, avec son gros pied qui a cassé ici le Chicken Wing au départ, et Dash Hopper qui empêche absolument toutes les options. Ah, Dragon Reversal, viens pas m'embrouiller avec cross-up shop, t'as déchopé, tour que tu prends le mix-up. Troisième Reka, il faut mettre super derrière le troisième Reka, là-dessus aussi, mais pas la super, juste il la décale, Razor, attention mix-up derrière. Non, Bamium kick avec Dashlo, et la tentative décalage shop. Mais décalage shop était quand même très 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 audacieux. Deuxième round pour Razor et toujours les startups des Rikukaku cassés par le saut très très court et peu élevé de Boxer qui renvoie ici un headbutt, attention au décalage, voilà, Shop elle est déchoppée, le mix-up elle a raté, il a raté son mix-up, du coup il prend la Shop avec la bonne garde mais rentre dans le loop de Shop de Boxer avec ça encore gardé, le combo raté malheureusement, derrière le Chicken Wing, il y a un gros point qui a pas linké, la super au pif avec ce dragon, Monsieur Dragon, mais mes amis. Oh là 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 là. Il y a des fois il faut faire fonctionner son instinct, se dire c'est à ce moment-là qu'il faut l'envoyer. Et c'est fait. 1-7-0 pour Pigeot. Et Razor qui prend Chicken Wing, décalage shop avec Reversal Headbutt, seule option qui pouvait le sauver à partir du moment où Washu, Washu, Washu. Et encore une fois la shop bien placée avec le duel Kormiti, juste un seul Reka, mais le Dashlo quand même encaissé. Non 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 non. Attention à pas voir des fantômes tout de même, mais les dragons qui sont présents, ya 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 ya. Ça whiff le dernier, du coup il reste un dégât de grattage, mais le Reversal est toujours là. L'exécution parfaite pour le mort du joueur de Morlaix, qui s'offre sa balle de match pour rencontrer Walmart en finale pour cette turnaround punch, Ah la décalage shop derrière Kukaku avec le mix-up de son cross-up qui est évité par le headbutt. Bon, il a mis pas gros point dans ses dashs avec encore un décalage dragon reversal overhead. Le dragon cassé par le headbutt de la part de Razor qui repart avec Dash Hopper en whiff. Attention à ses mix-up et surtout à la super qui va très probablement gratter d'ici peu. Et Dashlo, c'est allé vite, hein. C'est allé vite. Ouah ouais, doucement, doucement. Ils sont sa première balle de match ici, Razor. De justesse, mais c'est quand même sauvé. Avec le décalage SNHK et le headbutt qui est encaissé ici dans ce jump-in un peu trop évident. Hey, 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 hey. Dash avant cross-down. Non, 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 non. Remets pas une deuxième. Par contre, le headbutt, il est très bien. Sur les Kukaku en Mitty, la punition, elle est là. Sur les reversals, les 7 jumps sont bons. Et ce headbutt est là aussi. Très belle. Très bon retournement de situation de la part de Razor qui est solide, qui veut sa range contre Walmart, qui sait qu'il est passé à rien et que Walmart peut craquer s'il est poussé dans le coin. Mais la Pigeot, c'est sa dernière chance de l'emporter. Ouais, Dragon Reversal bien carotté par les 7 jumps, immédiatement puni, il repousse avec bas moyen point, ouais, ça c'est attendu, le headbutt il est là avec encore body toss et reprend des Dashlo et des Dash Hopper dans tous les Reversals. Voilà, au moins c'est là le 15ème qui est important, le Reversal dans le bon sens. Reversal super dans le bon sens et balle de match Razor, ça va très vite dans 2x, tout est inversé à une vitesse phénoménale, on l'a vu à l'Evo et là c'est encore le cas. Ray, il a encore placé les mix-up de shop avec les décalages qui sont bien dragonnés. Ça, c'est pas cross-up. Il l'a bien mis, mais encore une fois, les Rikukaku sont anticipés. Et les headbutts sont là. S'il joue aussi carré Razor, ça va être difficile. D'autant plus que le crowdown est passé. Et ça a fait mid-bar. Allez, faut rien lâcher. La shop, le mix-up, c'est pas gros point, pas gros point. Et Kakaku, encore une fois, repas gros point. Allez, c'est le moment là. Super, malheureusement, qu'il passera pas avec ce dragon. Ah, il a anticipé tout ce qu'il a pu, Pigeot. Mais c'est passé une fois, mais pas deux. Et voilà donc.